Vous êtes la société Tillemant, laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la phytothérapie. La phytothérapie, ce sont les médicaments et les traitements à base de plantes. Donc nos produits ne sont vendus qu'en pharmacie, mais nous sommes présents dans toutes les pharmacies de Belgique. Généralement, dans chaque maison, se trouve au moins un produit Tillemant. La plupart de nos concurrents sont des entreprises qui commercialisent des compléments alimentaires, même en pharmacie, plutôt que des médicaments enregistrés. Nous avons choisi de faire du médicament enregistré, c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus coûteux, ça prend plus de temps, mais ça crée une vraie différence. Il y a très peu de laboratoires qui ont la capacité et la volonté de faire du médicament enregistré à base de plantes. Les médecins et les pharmaciens apprécient la différence. Ça donne beaucoup plus de solidité, de pérennité à nos produits parce que le statut réglementaire de complément alimentaire est assez fragile. Et puis on fait la différence en termes de performance et ça c'est sur nos collaborateurs. Qui sont là derrière. L'équipe Tillemant est une équipe extrêmement performante, impliquée, dévouée, qui prend des initiatives, qui prend des risques. Et tout ça, ça vient surtout de la liberté qu'ont nos collaborateurs. On a toujours beaucoup investi dans l'extension de l'usine, dans l'achat de nouvelles lignes, dans le développement de nouveaux produits, ça coûte de plus en plus cher. Et là on continue, on a un projet qui est à la fois industriel, où on va continuer à s'étendre, un projet marketing et R&D de développement de nouveaux produits, et un projet international de développement en dehors de la Belgique. Nous avons l'intention d'implanter des filiales dans plusieurs pays d'Europe d'ici 2030. Le premier pays visé sera la France. Tout ça, ce sont beaucoup d'investissements passés et futurs. Alors Tillemant aujourd'hui, c'est 185 personnes. C'est entre 35 millions et 40 millions de chiffres d'affaires, dont 20% à l'international, 20% hors de Belgique. Ce qui veut dire qu'en volume, nous faisons 40% à l'international parce que c'est habituel. Nous vendons deux fois moins cher à des partenaires étrangers que sur le marché belge parce que nos partenaires assument les coûts de marketing et les coûts commerciaux. En termes de volume, on remplit tous les jours un semi-remorque et en termes de nombre de boîtes produites, on produit à peu près 5 millions de boîtes de produits divers chaque année. Beaucoup de sirops, beaucoup de comprimés, de gélules, de tisanes aussi. Tillemant a cette position de leader de la phytothérapie en Belgique. Et maintenant, on vise une autre position. On aimerait en 2030 être le meilleur laboratoire de phytothérapie en Europe. On ne sera pas le plus grand, mais on voudrait être le meilleur.